L'innovation, c'est dans nos valeurs, c'est notre ADN, et c'est ce qui a permis de faire en sorte qu'aujourd'hui, un véhicule sur deux qui roule dans le monde est équipé d'un sous-ensemble Bontaz. Bontaz, c'est une société familiale qui a été créée en 1965 par Yves Bontaz dans la vallée de l'Arve. C'est une société de décolletage. Au départ, on travaillait avec tout type de clients, puis finalement, on s'est spécialisé dans le monde automobile. Et aujourd'hui, on est leader mondial sur certains de nos marchés. Alors chez Bontaz, on fabrique des sous-ensembles mécaniques et électromécaniques pour les constructeurs automobiles, voitures et camions. Ces sous-ensembles permettent le refroidissement des moteurs. On est présent dans 11 pays avec une vingtaine d'usines et on emploie environ 4000 collaborateurs à travers le monde et on est présent dans toutes les grandes zones automobiles. Alors chez Bontaz, ça fait 60 ans qu'on existe, 60 ans qu'on innove. Aujourd'hui, c'est environ 200 collaborateurs qui travaillent dans nos centres de recherche et développement à travers le monde, avec un département spécifique d'innovation qui est en train de se structurer en France, dans la vallée de l'Arve. L'innovation, c'est dans nos valeurs, c'est notre ADN, et c'est ce qui a permis de faire en sorte qu'aujourd'hui, un véhicule sur deux qui roule dans le monde est équipé d'un sous-ensemble Bontaz. Chez Bontaz, on est membre du Global Compact des Nations Unies. Ça représente un engagement très fort en faveur du développement durable et ça s'accompagne chez nous d'une politique RSE très ambitieuse. Notre priorité stratégique, c'est le climat. Actuellement, on réalise un bilan carbone sur l'ensemble de nos sites et s'en suivra un plan d'action avec tout un ensemble de mesures pour réduire significativement nos émissions de gaz à effet de serre. Et on a également dans notre politique RSE un engagement très fort sur tous les territoires où le groupe est implanté à travers le monde. Et en France, ça s'est traduit il y a 4 ans par la création de l'Académie Bontaz. L'Académie Bontaz, c'est une académie donc, qui accompagne 350 collégiens du territoire dans leur formation scolaire et sportive. Le monde automobile est en train de changer fortement actuellement pour aller vers l'électrification. Ça représente des gros changements pour nous puisque nous sommes très présents dans les moteurs thermiques. On a donc deux axes de développement pour accompagner ces changements. Premier axe, dans le monde automobile, on est en train de développer des nouveaux sous-ensembles pour les moteurs électriques, justement pour la plupart de nos clients. Deuxième axe, en dehors du monde automobile, on est en train de se positionner sur un nouveau marché qui concerne la mobilité, mais en dehors du monde automobile.